tête. Venus Williams pèse 2 kilos quand même sur la tête. Il est 70. Les dreadlocks, vous avez dit? Les dreadlocks. Les dreadlocks, pardon. Dreadlocks. Dreadlocks. Ah, sorry. Mais c'est du travail hein, quand même pour mettre cette coiffure. C'est 1h30 le matin, c'est facile. Voilà, tranquille. Vous devriez essayer ça. Surtout pour le démêlant. Démêlant. Alors, vérification d'une marque. Et l'an dernier, on avait bien flash. Dans le jeu de l'américaine, Nathalie Tauziat au service pour confirmer son break. Elle mène 4-3. Ouh, un autre. Bravo Nathalie. Ouais, avec l'aide du filet. 40 games. Voilà, l'illustration un peu de ce que doit faire et de ce que fait d'ailleurs très bien Nathalie. Ah, bravo Nathalie. Ouais, ça c'est bien fait. Je pense que Vénus... de la française très appliquée. Ouais, beau passing, mais Nathalie qui, vous l'avez vu, si elle veut véritablement tuer les tout premiers rôles. Et voilà, ça revient. Et pourtant, elle avait mis le pas. Ok, une chose est sûre. Et balle de break. Bien sauvé. Ah oui, là, il n'y aura pas de cadeau. C'est le jeu habituel, hein. Beaucoup plus à l'aise quand le jeu est rythmé, Venus Williams. 30-0. Et là, elle croise magnifiquement ce passing. Voilà, bien attaqué ce retour, Nathalie Tauziat. Bien défendu Nathalie qui a... Ah oui, elle est bonne. 40 points. Parce qu'on est en panne de première, mais enfin tout de même. Et voilà, une bonne première balle, ça peut permettre un enchaînement comme celui-ci. Ouais, bon retour. Oui, bien posé, sans problème. Ah, là aussi, c'est le métier.
Et première manche pour Venus Williams qui a eu du cran, qui s'est accroché puisque Nathalie Tauzia a servi pour le gain du premier set tout à l'heure. Et bien l'américaine. Elle termine par un ace. Venus, c'est en fait. Ah oui, ça c'est bien fait. Ah ouais, beaucoup d'envergure. Et là, Nathalie Tauzia pensait qu'elle avait suffisamment croisé. Mais Venus a bien réagi et la balle plus à l'intérieur du court. C'est ce que fait remarquablement Martina Hingis, par exemple, sur ce genre de situation. Et là aussi, beaucoup d'œil et un retour. Grand amateur de tennis qui a d'ailleurs consacré une chanson à la Coupe Davis et à l'équipe de France dans son dernier album. C'est pas suffisant pour bousculer Venus Williams. Nathalie qui est un peu tombée. Ouais. Ouais, il faut rentrer dans l'échange, Nathalie. Faut. Et jeu pour Nathalie Tauzia. Avec manche, c'est serré, c'est un match qui commence à être très tendu. Allez Nathalie. Oui, ouais, quel point, on revient vraiment sur un très très beau point sur ce central. À la fois du coup d'œil, mais surtout beaucoup de courage, beaucoup de volonté dans ces deux courses en diagonale. Regardez, elle l'anticipe. C'est vrai, mais avantage, encore fallait-il pouvoir la rattraper et la contrôler en bout de. Je, mademoiselle Tauzia. Et elle remporte. C'est elle qui sert, 3-2 Tauzia. Ah, ce jeu, Nathalie ne craint pratiquement personne, hein. C'est une. Oui, voilà. Celle-ci est plus tranchée. Voilà. Ça, c'est le gros couloir. Voilà, donc Gérard Pidet qui a été joueur et capitaine. Ah oui, ça aussi, elle le fait très très bien. Ah, c'est un petit peu plus court, c'est un petit peu plus hésitant de la part de Nathalie, dommage. Mais là, elle est dos au mur. Beaucoup d'envergure, hein, quand même. Ah. Oui. Oh là là. Allez, bien juste, là. Ça fait du bien. Et encore, bien placé. Et un cri que vous avez sans doute entendu de la part. Sa 12e double faute, 30 à. Et Nathalie à 2 points du match. À se replacer Vénus là. Elle avait des grandes enjambées, elle n'en peut plus. Et oui, elle ne pourra pas revenir. Bien joué, bien vu de la part de. Oh là là, c'est bien. Oh oui, remarquablement défendu. Car Nathalie avait bien joué là en ouvrant le court.
Et elle a dû faire un gros effort là pour y aller. Vénus, ouais. Elle a tenté le coup gagnant absolument ici en dérapant. En glissade sur la jambe gauche extérieure. Et lorsqu'elle s'est replacée, on l'a vu, pas boitée, mais légèrement boitillée. Elle est vraiment très... 41% seulement. Mais voilà, il suffit de dire ça pour qu'elle nous sorte un ace comme... Oui, c'est bien joué. Elle a bien, elle a cherché là-bas sur ce côté... C'est dur de terminer comme ça sur une double faute, mais belle victoire pour Nathalie Tauzia. C'était un match pas évident à gérer pour elle face à cette jeune femme dont on parlait énormément sur ce court central. En tout cas, elle a remarquablement su faire ce qu'il fallait, Nathalie Tauzia, pour ne pas laisser Venus Williams exprimer son jeu, toute sa puissance, toute sa confiance.